Hey, hey, hey! Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge avec nos petits amoureux Pierre-Nard de Saint-Paul et sa femme Joséphine de Saint-Paul. Joséphine est enceinte. Peut-être verrons-nous la naissance du petit chouchou dans cet épisode. Ben, pourquoi pas après tout. Allez, on va avancer un petit peu. Il est même pas 5h du mat. Attends ma belle. Ah, regardez-moi ça. Look at this. She's so beautiful. Josephine. You're magnificent. Yeah. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous a dans le petit bidon. Bon, alors du coup, la demoiselle, elle a méga faim. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Il reste 6 salades de fruits. Mais meuf, allez, vous allez manger ça, quoi. Ah, tiens, on va reproduire. Yavoy, on va reproduire les petites grenouilles. Voilà, comme ça, on a déjà gagné de l'argent. De bon matin, nous gagnons de l'argent. Alors, lui, sans la chaussette. Et elle, bon, elle a faim et puis elle a envie d'aller aux toilettes. Ça va, la faim monte quand même rapidement. J'ai hâte de voir le petit bout, quoi. Si déjà c'est garçon-fille, s'il sera roux ou blond, et voilà. Ça va être chou. Voilà. C'est mignon. Je vais essayer de... Ah ouais, demander de toucher le bébé, ça pourrait être mignon, choupé. Demander à date prévue d'accouchement. D'ailleurs, ça devrait vraiment... Quand on demande la date prévue de l'accouchement, on devrait avoir une notification ici qui nous dise « Elle accouchera dans tel jour à telle heure. » En fait, ce serait vraiment génial. Mais genre, à fond, quoi. Alors, attendez, je vais essayer de lui faire faire... qui lui donne un massage, en fait. Je crois que c'est dans Amour. Je propose un massage, voilà. Elle sera bien contente, Joséphine. Elle fait la vaisselle. Ah oui, c'est magnifique. Une vraie petite femme d'intérieur. Allez, Pierre-Nard. Qu'est-ce que... Mais je t'ai demandé... Oh, mais je t'ai dit de lui faire un massage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Proposer un massage. Ah, vite, avant qu'elle aille aux toilettes. Un bon petit massage, Joséphine. Voilà, ça te fera du bien. Oh, c'est mignon. Alors, ma belle, tu vas aller au pipi. Papa, papa. Il n'est pas encore papa. Papa, il va... Enfin, papa, bref, monsieur. Pierre-Nard va faire tout ça. Mais oui, ma belle. Après toi, tu rangeras ça. Arrête! Allez, vas-y. Complimenter, mais oui, on sait que c'est un beau gosse. Va pisser, meuf. J'ai pas envie que tu te fasses dessus. Allez, Joséphine! Voilà. Ça, elle va aussi pouvoir se laver après. Il va aller fertiliser rapidement ça. Avec son petit chapeau. En même temps, c'est normal qu'ils ne changent pas de vêtements. C'est parce qu'ils ne se lavent pas vraiment. Ils ne prennent pas de douche, ils ne prennent pas de bain. Donc pour l'instant, c'est pas... Si, si, tu vas ranger ça. Qu'est-ce que tu nous fais? Viens te laver les mains et te laver les dents. Oh, lui, il pisse carrément dans le... Oh. Ah ouais, il pisse carrément comme ça, dans le buisson, enfin sur le buisson, quoi. Miam, ça donne envie. Pierre-Nard. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux... Non, bah, dis donc. Tu vas aussi te laver les mains, mais on va attendre qu'elle ait fini. Bon, eh ben, tu vas réparer, parce que madame, elle casse tout.
Toi, tu essuies. Voilà. Bon, on est bien. Donc, du coup, bah, tu vas aller arroser. Voilà, pendant ce temps-là. Oh là là, franchement, hein. Tiens, Bernard. Pierre, oui. Après, tu vas chercher des pièces. Tu jettes pas parce que c'est ta femme qui le fera. Pendant qu'elle, elle arrose les plantes, le petit jardin. Bah, Pierre-Nard, il devra désherber et compagnie. Hein. Donc, tu vas pouvoir désherber. Qu'est-ce qu'il avait dans son truc, lui? Ah, ouais, quand même. 21 pièces! C'est énorme. Voilà. Je pense que de toute façon. Ouais, on verra. Donc, ils vont s'occuper un peu des jardins tous les deux. Au moins, ce sera fait. C'est-tu pas mignon? Le petit couple. Qu'est-ce que tu fais? Mais va désherber, gars! Qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve. Oh, t'as mouillé mes pompes, connasse! On n'a qu'une seule paire de pompes, hein? Tu te fous de moi? Il n'y avait que deux trucs à désherber. Mais après, tu pourras faire aussi évoluer, hein. Tu peux toujours travailler ton jardin, hein, mon petit. Je te ferai dire. Ah, voilà, il y a de plus en plus de trucs à désherber, comme ça. Et puis, tu pourras aussi faire évoluer. Il met les genoux dans l'eau. Elle fait ça. Elle a déjà refait, quoi. C'est hallucinant. Une fois qu'elle aura fini de faire le jardin là, on va lui faire faire se laver, manger, et puis après elle va nettoyer la maison, elle va se reposer parce que elle va plus être apte. Alors tu vas pas faire ça, non, non. Tu viens jeter ça. Tu viens ranger ça. Non, alors tu vas pas ranger ça tout de suite. Tu vas te laver les mains et te laver les dents. Elle a refait, quoi. La vache! C'est un trou, c'est un estomac sur pattes, cette meuf. Tu referas ça, et puis tu rangeras ça. Puis tu vas manger. Voilà, manger toast avec œuf. Voilà, ma belle, toi, tu as quelque chose déjà de bien prévu. Et lui s'occupe du jardin. Il désherbe et il fait évoluer tant qu'il peut. Ouïouïouï, le courrier. 445 Simflouz. Ça va, on est large. On a quand même un peu de thune de côté pour payer le courrier. Voilà. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon, alors, je vais renvoyer Perner. Nous faire deux tables de salle à manger. Avec un peu de bol. Elles seront bien revendues cher et ça va nous faire plus de pognon. Du pognon, du pognon. C'est toujours, tout est bon dans le pognon. Notre ami Pierre-Nard a atteint les niveaux 7 de la compétence bricolage. Donc à mon avis, on doit avoir droit à un nouvel objet à fabriquer sur l'établi. Donc c'est cool. Donc je vais attendre qu'il finisse sa table. Je vais l'envoyer manger sa petite salade. Parce que ça va pas, hein. Et là, il commence à. Voilà, avoir un peu de. Un peu la dalle. Bon, il est 15h, 15-16h. Donc, oui, ils sont levés tôt en plus. Donc, effectivement. Il a la dalle. Qui a la dalle? A la dalle. Bon, José finit étant à moitié capoute. Je vais lui envoyer faire une sieste. Une sieste. Une fieste. Parce que voilà, il est à peine 17h30, elle commence déjà à avoir de bonnes signes de fatigue, en plus elle a refaim, c'est pas possible. Donc bah toi, dépêche-toi de manger, mon petit. Niveau du divertissement, tu sais bien, tu laisses ton assiette là. On va faire en sorte de. Tu vas faire pipi, tiens. Tu vas faire un pipi. Tu vas ensuite te laver les mains et te relaver les dents pour augmenter tout ça. Tu auras que le divertissement qui sera un peu down. Ah, le jardin recommence.
commence un peu à popper. Ça, c'est cool. Et on va aller voir le nouvel objet, fabriquer un meuble. Ah non, il n'y a pas encore. C'est peut-être une sculpture. Ah, couteau, lapin, ours, piocheron, éléphant, cheval. Non, bon. Eh ben, on va continuer de faire des tables de salle à manger. On va en faire 3. Allez. En plus, il est fait assez rapidement, donc c'est assez cool. Voilà, son hygiène remonte un peu. Oh, il a tout dégueulassé. C'est pas grave. Joséphine nettoiera quand elle se lèvera. Et oui, c'est comme ça la vie. La bonne petite femme au foyer. Voilà, alors elle s'est réveillée. Elle trouve que c'est sale. Eh ben, tu vas nettoyer, ma belle. Ben ouais, c'est comme ça. Fallait pas naître en 1860. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, il y a un petit bug au niveau de... Ouais, ok, si tu veux. Il y a un petit bug, hein, on voit la découpe, mais... Comment ça, les Sims ne sont pas réels? Comment ça, ils n'existent pas? Oh, il y a du vide à l'intérieur, oh mon dieu! Voilà, elle a une copine... Ah, mais c'est... Ah, c'est elle! Ouais, mais elle avait pas la même tête. Va parler de cuisine un peu. Technique de drague, partager la grande nouvelle. Voilà. Tu vas recevoir quelqu'un. Mais. Oh, c'est pas possible. Pourquoi ça bug? Pourquoi ça fait pas. Tu vas discuter de la paix dans le monde dans ce cas-là. Partager la grande nouvelle. Non, et puis tu manges pas encore. Tu feras à manger après pour ton mari. Ben oui, c'est vrai, ils ont la même tenue. Hein? Laquelle est la plus belle? Moi je vous dis, c'est quand même Joséphine. Hein. Joséphine, elle est beaucoup plus jolie. Elle est plus naturelle. Bon, bah c'est bien, tu parles un peu. Tu sais, après tu vas. Ah non, lui il est déjà sale. Tu vas refertiliser un buisson. Plus c'est déjà toi tout à l'heure qui l'a fait, il me semble. Donc t'arrêtes pas, hein, c'est fou. Tu vas te laver les mains et te laver les dents. Ça, on est au pays. Et après, tu pourras servir le dîner. Tu vas faire quoi? T'as pas de tilapia. Ah, du tacos au tofu. Vu qu'on a des légumes, ça va nous coûter 2 simflouz. Et ben voilà, on va manger du tacos au tofu. Moi, je vous dis, hein. Parce que j'ai mis des champignons là-dedans. Donc, c'est pas mal. J'ai 2 poissons, mais c'est pas du tilapia. C'est dommage. Putain, mais elle va crever de faim. Elle va crever de faim. Voilà, c'est la voisine qui parle toute seule. Vous voyez bien que Joséphine, elle parle pas avec. Hein, hein. Mais on dirait qu'elle a été envoûtée par une vampire et qu'elle parle toute seule. Voilà, tu vas pouvoir appeler à table, puis la voisine, elle peut venir manger, c'est pas bien grave. Punaise, elle commence à être bien un petit peu grosse, hein, Joséphine. Ah bah voilà. Ben oui, c'est à 20h30, hein. J'avais dit 22h, mais c'est à 20h30 qu'elle accouche, donc dans moins d'une journée Sims, on aura le petit bout de chou. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Oh, attention, attention, Pierre Nard est tendu. Pierre Nard est dans le rouge. Pierre Nard. Ah, il en peut plus, là. Il a besoin d'une télé. Ça n'existe pas, mon gars, dans ton époque. Mais non, le cinéma n'existe même pas encore, mon grand. Alors, non, toi, tu vas sûrement pas dormir. Tu vas entretenir le... Entretenir. Tu vas faire en sorte que ton mari se divertit. Tu vas illuminer sa journée. Tu vas lui raconter une blague. Il regarde la voisine. Il dit, qui c'est celle-là, là? Si tu veux, tu peux faire une connaissance, oui. Mais tu vas surtout ouais, lui faire des grimaces, parce que ça marche, et lui raconter une histoire drôle. Ah bah elle s'est déjà couchée. Mais tu te montes pas en sous-vêtements comme ça devant les voisins, Joséphine. Tu peux demander à ta voisine de partir, elle peut se barrer. Hein. On s'en fout maintenant d'elle. Hein. On nous a servi 5 minutes pendant qu'on faisait à bouffer, maintenant c'est moi, elle peut se barrer. Bah voilà, hein. À leur faire des grimaces, ils sont joueurs. Voilà.
Comme quoi, pour les distraire, il suffit pas de faire crac-crac tout le temps. Hein. Eh non! Les grimaces! Les grimaces! Les grimaces! Par contre, il commence à être mort. Putain, oui, j'avais pas vu l'heure. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Cocotte, tu vas aller pisser. Tu vas aller pisser et tu vas être couché direct parce que là, t'es capoute. Lui, tu laisses ton truc là, hein, s'il te plaît. Voilà, t'es parfait. Tu peux, s'il te plaît, lire quelque chose et après tu vas dodo aussi. Ouais, je sais. Mais ça va te faire du bien de lire. Parce que là, ta femme, elle va pas être dispo pour craquer comme ça. Ça va pas être possible. Oh, regardez, ça remonte. Tout va bien. Par contre, il a posé où l'assiette? Je ne la vois point. Il l'a fait bugger, il l'aurait dans son truc. Ah bah oui! Et qu'il est bête. On va la mettre là. Ouais, on va refaire reproduire les petites grenouilles. Voilà, on a gagné des sous. D'ailleurs, celle-là, je vais lui en donner une à son cher mari, à Pierre Nard. Et Pierre Nard va en vendre deux. Oui, c'est ici. Oh là là! Il en vend deux. Voilà, ça, c'est fait. Tu vas pas tarder à aller te coucher parce qu'il se fait tard, mon grand. Ouais. Allez, tu ranges ton livre, bah même pas tu ranges, tu le mets là, c'est très bien. Et tu vas dormir. Pendant qu'ils vont dormir, moi, je vais aller regarder, évidemment, dans l'inventaire de famille pour vendre les tables qu'on a en trop. Nous avons 6 tables. On n'en a pas besoin d'autant. Alors, on va en vendre une. Alors, il reste 5, donc on en vend 4. Et hop, 1260 sims plus de plus. Ta-da-da-da. Ça, c'est bonnard. Et puis, ah ben oui, tant qu'on est dans le... machin à achat, là, je sais pas quoi. Est-ce que je voulais prendre... Ce n'est pas ici, c'est dans petit bébé. Il y a quelque chose... Non, c'est pas ça. Alors... J'avais téléchargé un truc. Non, dis pas que je le retrouve pas, qu'il est pas là. Je vous reprends si je le trouve. Alors, je n'ai pas trouvé celui que je pensais avoir téléchargé. Mais bon, je leur ai mis le petit truc ancien, comme ça. De vampire, mais bon, c'est quand même mieux pour l'époque que l'autre. Déjà tout rose, tout bleu, tout jaune et compagnie. Et Joséphine est donc la première à se lever. Bon, alors, tu vas nettoyer ça rapidement. Oui, je sais, tu dois faire pipi. Eh bien, tu vas y aller après. Tu nettoies juste ce que t'as... Tu sais que ta condition de femme fait que tu es obligée de nettoyer ton assiette avant. Voilà. C'est dur. Bon, j'ai cru qu'il se levait, mais en fait, il se lève pas. Va faire ton petit pépé. Ou ton gros pipi, comme tu le sens. Si tu laveras les mains et les dents. Oh là, alors attention que monsieur ne fasse pas de bêtises. Il va aller tout de suite aller aussi faire son petit pipi avant qu'il se serve à manger. Alors que non. Toi, tu vas enlever la nourriture gâtée et est-ce qu'il y a encore à manger là-dedans? Il y a toujours les salades de fruits, donc c'est nickel. Après... Ah! 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 C'est la salade de fruits qui est pas bonne. Mais dans ce cas, tu la remets dans le frigo? Non, dans le frigo. Dans le frigo! Mais c'est pas possible! Oui, je sais, cocotte. J'ai pas compris ce qui s'est passé non plus. Ouais, mais... Ouais, bon, allez, bah tu me nettoies ça. Tu me nettoies ça et t'appelles à table. Arrête! Et hors de question! Lui, ça va, il va juste lire un livre. Allez, cocotte, un peu de nerf. On va y arriver. Le crève la dalle, lui, il se sent mieux.
Tu pourras te laver les mains et te laver les dents, te laver les mains et te laver les dents. Et puis quand elle revient, qu'elle dit à table, mes anges, mon chéri, et ben tu pourras manger. Voilà. Elle va nous exploser, la Joséphine. Bon, on est à 6014 simflouz, c'est plutôt pas mal, parce qu'on pourra éventuellement commencer à agrandir la maison après. Une fois que le petit monstre sera là, enfin bon, pas tout de suite, mais un petit peu après, quoi. Quand il deviendra bambin, je pense. Et j'ai oublié de payer les factures. Bon, bah... C'est Pierre Nard qui paye les factures, c'est lui l'homme de la maison. Voilà. Bon, alors par contre, Joséphine, c'est le bordel ici. Hein. Tu vas me ranger tout ça. Eh bah voilà, eh bah tu pourras tout nettoyer. Franchement. Franchement, ça va pas. Pierre Nard, il va payer les factures. Et voilà. En même temps, on n'aura plus d'électricité, mais ça marche pas l'électricité, ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On le dira pas. Bah, tu vas reparler un peu à ta femme. Tu vas raconter une histoire incroyable. Et ce que vous préférez faire entre vous, c'est faire des grimaces. Quand même. Voilà. Ce siège, il est quand même bien. Hein. Il l'aime bien, c'est Sims. Oh, Mazette! Le jardin ne va pas bien du tout. Allez, oh putain, il a l'air répété les trucs, mais c'est pas possible ça. Bon, ben. Oui, je suis en vitesse 2. Il faudra que tu répares ça, mon petit Pierre-Nard, parce que là, ça va plus. Ouais. Ta femme, elle fait n'importe quoi. Elle casse tout. Et puis, bon, tout est remonté chez toi, donc c'est plutôt pas mal. Tu vas rechercher encore des pièces. Du coup, tu vas te laver les mains parce que c'est un peu cracra. Encore une pièce, deux pièces de plus. C'est super. Elle. Eh ben, tu vas pouvoir tout récolter. T'as compris là où je voulais en venir parce que j'ai vu que tu voulais venir faire du jardin. T'inquiète pas. C'est elle qui arrose, au moins elle fait ça et c'est déjà pas mal. Et après, tu pourras refabriquer quelques tables de salle à manger. Ça pourrait être pas mal. Non mais regardez-moi à quel point elle a envie de pisser, encore une fois, elle. Ah là 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 là. Allez, non, tu vas pas faire crac-crac. On n'a pas le temps aujourd'hui, on doit travailler. Hein. Voyez pas le bordel, là, sur le jardin. Allez, au boulot, les gens. Au boulot, les deux Saint-Paul. Et niveau 5 de jardinage pour Pierre-Nard. Alors, cool, on va pouvoir commencer à faire les greffes. Et ça, c'est trop bien. Tu vas du coup prendre une bouture sur le fraisier deux fois. Comme ça. On va commencer à greffer ce qu'il faut. On va garder ça et puis on reprendra une bouture sur les mufliers pour greffer tout ce bordel et faire des fruits du dragon. C'est les fruits du dragon. Rapporte beaucoup de pognon. Non mais alors elle... Je l'ai envoyée pisser, elle s'est endormie dans le... Elle s'est... J'ai quand même fait... J'ai pas fait dormir quoi. Oh la vache. T'es bourrée ma fille. T'es bourrée. Qu'est-ce qu'elle raconte? Si elle est dans un buisson qui... Bah oui bah écoute... Je me suis pas gourée quand même, j'ai bien dit qu'elle devait aller pisser. Ah non, j'ai dû faire une sieste. Ah bah tant pis, hein, voilà. Bon, elle est pas très longtemps en mauvais état, donc... Après, tu pourras jeter ça, essuyer ça, et te laver les mains, te laver les dents. Là, on est presque bien. Tu pourras ranger les bouquins aussi. Et puis voilà, après que Pierre Nard aura bossé, on vendra ce qu'il a. Et puis on pourra accueillir le petit bébé. Bon, bah je vais lui demander de faire le dîner. Le tacos au poisson, on en a pour deux simples. Ah bah c'est vrai qu'il y avait les tacos d'hier. Bon, c'est pas grave. Mais comme elle mange comme deux, là, ou quatre, même, je dirais. Parce que la vache, elle n'aura pas arrêté de manger, quoi.
Pierre-Nard, il en est où? Il finit sa seconde table. Ouais, et après il va faire ses boutures, c'est parfait. Bon, il a pas hyper faim, mais c'est pas très grave. C'est elle qui mangera. Ça, elle nous fait de la bonne cuisine. Ça pourrait être que positif pour ses enfants. Elle est toujours pas bien à cause de la sieste dans le buisson. C'est pas très grave. Voilà, il a fini son objet en bois. Très bien. Mais qu'ils sont mignons. Vous êtes trop mignons. Tu veux toucher mon bidon? Oh, par contre, il y a un sacré bug là. Parce qu'elle est pas très enceinte hein, Bref. Bah voilà, elle se lave les mains. Lui, il lit, tout va bien. Et on va attendre patiemment l'arrivée du petit bébé. J'oubliais. On va aller voir d'ailleurs tout de suite. On va vendre les tables de Pierre-Nard. Alors. On en vend une. On en vend deux. Voilà. Oups, non, je ne veux rien vendre d'autre, excusez-moi. Et on va vendre... Ah bah oui, elle a que les fraises. J'allais dire, je me suis mégourée. L'hélice, on a pour 646 flouzes. Et boum! Les jacinthes, on en a pour 460 les fraises. Bon, les fraises, c'est vraiment juste pour faire les croisements, hein, 66 flouzes. Et on a plus de 100 mufliers, on en a combien? 120 pour 9, voilà, 1040, voilà. Là, hein. Et ben voilà, on a déjà passé une étape pour Pierre-Nard et son aspiration. Quand je vous disais que le jardinage, ça allait rapporter de ouf. Moi, je vous l'ai dit, hein. Vous me croyez pas, vous me croyez pas. Je pense qu'elle est partie se roupiller. Mais bébé va arriver. Bébé va arriver incessamment sous peu. Et hop, je revends. Les grenouilles. Parce qu'il est 20h18, c'est ça. Normalement, vers 20h30. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, 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 mon gars, tu viens là. Tu viens là. Je sais pas, tu te laves les mains. Tu lis un livre, mais. Tu fais pas les tâches ménagères. Depuis quand tu fais les tâches ménagères, mon gars? On t'a dit, dans cette partie, tu ne fais rien. Alors. Ça remonte un peu. Il est passé 37, 39. Vite, 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 nous on veut le bébé. On veut le bébé, on veut le bébé. Et si tu te réveilles? Et si tu te réveilles, tu accouches quand? Allez! Voilà. Hein, ma belle? Tu vas dire à ton mari, je veux avoir un bébé. Chérie? Chérie? Quand est-ce que j'accouche? Est-ce qu'on peut faire crac-crac? Peut-être que j'accoucherai plus rapidement. Et ben voilà! Bon. C'est cool. Et ben tu vas avoir un bébé! On est bon? Allez, Pierre-Nard, arrête de bouquiner parce que... Ça y est, quoi. On y est. J'adore! C'est une fille, alors une fille de Saint-Paul. Alors dans ma liste de prénoms, j'avais noté... Qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, je vais mettre le premier parce que je trouve que... Voilà, c'est d'époque, hein. J'ai fait une petite recherche. Ce sera Louise. Louise de Saint-Paul, bienvenue à toi. Bienvenue Louise. Première née de la famille de Saint-Paul. Et voilà, et bien sûr, comme tout bébé Sims qui naît, elle hurle. Voilà, niveau 1 de comment ça s'appelle? D'éducation. Bon ben voilà, papa, t'es en train de faire une grosse connerie, donc tu reviens ici, voilà. Bon après, pour moi, il peut se servir la salade dans le frigo, mais je ne veux pas. Stabilité sentimentale, faire garder les émotions bien à un Sim pendant 48 heures. Très bien. Eh ben écoute, c'est super. Toi, tu vas t'asseoir du coup. Pendant que ta femme, elle ouvre le frigo. Je sais exactement, c'est très con. Et puis, elle a faim? Non, ça va. Mais tu pourras manger, donc.
de ta part. Oh, elle pue déjà, Louise. Bah, dis donc. Allez, tu changes la couche. Alors, pour savoir, je n'avais pas fait manger les fraises. Vous savez que les fraises, c'est pour faire des filles, mais franchement, j'ai laissé le hasard. Je n'ai fait rien manger, donc c'était vraiment au pif, quoi. Et voilà, une petite Louise est née. Ah bah, elle est contente, hein. Joséphine, tu vas ranger ça, du coup, vu que t'es contente. Et tu vas aller faire un pipi. Voilà. Et après, comme t'es fatiguée, tu pourras aller te coucher. Et tu dors, bien sûr, du côté de ta fille, parce que c'est toi qui vas te lever en pleine nuit. Faudra pas attendre que Pierre-Nard fasse quoi que ce soit. Et c'est bien normal, puisque à l'époque, c'était comme ça. C'est pas que je cautionne, hein. C'est que c'était comme ça. Tu fais rien avec ton bol, hein. Tu peux rien faire avec ta fille non plus, je pense. Non, eh ben, tu vas... Eh ben, t'es en forme, toi. Tu sais ce que tu vas me faire? Tu vas me faire une table. Tu vas me faire une table tout de suite. Laisse ce truc. Ah oui, c'est bon. Ouf. Tu vas faire la table et Joséphine, elle va aller dormir. Enfin non, je vais lui faire faire ça avant parce que sinon ça va plus aller et puis tu vas aller dormir. Bon bah voilà. Pierre-Nard a fini sa table et puis bah maintenant il va aller se coucher auprès de sa gentille et toute belle femme. Et voilà, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter avant que Louise se mette à pleurer. D'ailleurs, je vais mettre sur pause. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour souhaiter la bienvenue à Louise. Et à votre avis, est-ce qu'elle sera blonde? Est-ce qu'elle sera rousse? Est-ce qu'elle sera bleue? Qui sait? Et je vous remercie, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut!